Là, par contre, elles me veulent pas de, elles me veulent pas de bien, hein. Ou elles ne me veulent pas du bien. Oui, je suis complètement décalée. Ah, le Cameroun est doux. Bienvenue, bienvenue Clou. Clou est libéré d'une d'Alcatraz. Tu nous en manqueras, plaisir. Tu nous en manqueras à mort. Waouh! Bienvenue sous le soleil de Californie. Ah, il y a les jaloux. Les gens sont jaloux de ma vie ici dehors. Je porte du Bertini. Hein. Si vous connaissez l'histoire du Bertini, si le propriétaire me kill. Ah, le doux soleil de Californie, dis donc. Ah, elle peut faire comme ça. La palme l'a fini sur ma tronche. Bonjour, ma Germaine. Bonjour, Kate. Regardez. Ah, maintenant, je comprends pourquoi les gens sont jaloux de ma vie. Pas les histoires d'amour au Belinga. Oh, vous êtes jaloux. Vous êtes... Ouais, dis donc. Bonjour, Drusil. Oui, je suis américaine jusqu'au bout de... jusqu'au bout du slip. Regardez que le sourire quand j'arrive en Californie. Et les gars, est-ce que vous savez que... Oh, on m'a fait un ja là à l'aéroport quand il sortait. Ça veut dire que nous sommes dans le bon. Ah, est-ce que vous savez que quand il sort maintenant de France, là, mon nom bip aussi au contrôle. Hein? Pourtant, j'étais devenu le problème des Américains. Hey. J'étais devenu, tu sors de France, donc tu as le problème de l'endroit où tu vas. Le gars me dit comme ça, il me dit que c'est quoi ce vol, il regarde comme ça, il dit que comment c'est quoi ce vol, je travaille au port. Hein? Bonjour, roi David. Ah oui, j'ai eu droit à un contrôle de mon... Hein? Vous avez le... Il y a quelqu'un là qui vit sa vie là comme s'il avait payé la maison ici avec la propriétaire. Hein. C'est l'écureuil qui est en haut là qui dérange. Je vous dis que j'arrive là. On me demande le billet retour. Regarde le gars là comme ça. Il dit que les gars, je suis sorti à 6 mois. C'est quoi ton problème? Ah non, c'est là où tu dis que tu fais le bon boulot. Oui, quand le pays commence à avoir les yeux sur toi. Non, il y a une de les rythmes, mais bon, dis donc. Il faut même pas douter un peu. On ne lâche pas l'affaire là. Le décalage aussi me dérange. Hein. Je suis plus au courant de rien. J'ai raté. Je suis resté 11 heures dans l'avion. Donc là où je suis, là, vous devez me rencarder. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Bonjour Kurt. Ma chan dit que quoi? Bonjour mon étoile de luxe. Hi, ma Hélène. Bonjour Malia. Ma Chantal dit que quoi? L'école est bien. Hein. Non, machin, l'école est bien. Là, les gens qui disent souvent que l'intelligence du village, elles sont des foutaises. L'intelligence du village n'existe pas. Hein? Le bon sens. C'est ce qu'on appelle du bon sens, l'intelligence du village. Machin, bonjour Yola. Machin, tu aurais dû te taire. Hein? Je n'ai pas le temps de décrypter tes dits là, mais le peu que j'ai entendu. Toi-même là, j'ai vu que J.Rémy Gonod doit être entendu. Être entendu ne veut pas dire, pour un journaliste, ne veut pas dire que tu es obligé de donner tes sources. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais machin, tu es au courant. Hein. Écoutons machin. On ne va pas tout décrypter, mais écoutons machin. Bonjour à tout le monde. Mon bonjour de Californie, la pèse. Hein. Mettez les étoiles ici, dis donc. Il faut me rembourser mes vacances, non? Le billet là. Hein. Et voyager à Tahiti. Hein. Et Tahiti là, c'est un grand service. Hein. Et les Canadiens là, ils vous lâchent, hein, les gars. Hein? La vie, c'est la chance. Hein. J'ai voyagé avec Tahiti. Maman, tu veux Jean, on te donne l'argent. Tu tousses comme ça, la dame là est là. Et ça sentait le monoeil. Oui, ma fleur de monoeil, je l'ai perdue. Tu arrives, on te donne la fleur de monoeil. Dis, pardon, laissez-nous ça. Les Canadiens là, ils vous barrent. Hein? Jusqu'à ce que Tahiti me fasse ça du. Tahiti. J'ai fait la pub de Tahiti, dis donc. Que les gars là me donnent même. Hein? Ils me donnent même une petite remise de 5%. Là, je leur fais la pub. Grave. Tahiti. Hop. Le service de ça. Pas les autres qui sont chiches là. Tu veux boire un gin tonic, on te demande de payer ces 15 dollars. J'ai jonglé le gin tonic là-bas jusqu'à. J'ai même refusé le reste pour dormir. Bonjour, Kate. Bonjour. Non, hé, hey, Tahiti. Nuit. Tu entres dedans, tu as seulement les vanillés. Oh, maman. Tu ne regardes pas. Vol direct. Hein. Paris, Los Angeles. Tu peux aussi avoir Paris, San Francisco.
L'avion va à Papeete. C'est Papeete. Un truc comme ça. Bon, bref, moi, comme je m'arrête aux États-Unis, je vais pas gérer le reste. Ah, pas la fleur de mon oeil, la fleur de Tiare. Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Moi, j'ai seulement regardé le service. Donc, si c'est mon oeil Tiare, là, moi, je ne sais. Oui, on met la fleur de mon oeil dans l'huile de coco pour. Non, on met la fleur de Tiare dans l'huile de coco pour donner le mon oeil. Delta. Chiche jusqu'à le feu sort dans ça. Les gars sont chiches. Delta est chiche. United est chiche. Canada est chiche. Non, Tahiti, non, ça sent bon le mon oeil en vrai. L'avion là est spacieux et tout. Et en plus, j'ai payé mes 70 $ là pour avoir les jambes bien étendues. Je suis au bled. Ça doit là, dis donc. Tu vas voir les cocotiers. Je suis même à Kribi. Je suis à Kribi, je suis assise là. Ah, ma fille. En Amérique du Nord, pour faire, fais quoi chez vous là? Il n'y a plus le soleil en Californie. Ah, c'est magnifique. Hein? Non, je vais go là-bas. Non, 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 non. 8 heures entre Los Angeles et Papeete. Donc, ça fait. Non, non, c'est gérable. La prochaine. Non, non, non. Il faut avant de. Peut-être pour mes 50 ans là. Hein? Il y a quoi, non? Les gars sont chiches. Si vous ne voulez pas les chiches. Tahiti. Tahiti. Oh, merde. Envoyez les étoiles pour Air Tahiti, disons. Ils me font la promo au prochain billet. Des gars, et en plus, au départ, là, ils sont en tailleur. Après, ils vont porter le pagne de chez eux, là. Ils portent des robes, ils portent. Ça sent le soleil. Ah, par tous les diables. Tu veux l'argent, on te dit que tu veux encore l'argent. Maintenant, chez Air France, là, si tu veux le whisky Coca, le whisky là, on te demande de bailler avec la carte bleue. Là-bas. Il y a tout jusqu'au champagne. Bon, le champagne, c'était pas pour nous. Ben voilà. Donc, je raconte pas de bêtises. 8 heures. Donc, le plus long, c'est entre la France et Los Angeles. Vraiment. Il y a du bon dans la nature. Quand je voyage comme ça, à chouette, je suis énervée. Quand je regarde ce que les autres font avec moins de moyens que nous, à chouette, Makanda. Par les contrôles qu'on nous fait hier à l'aéroport, là, nous autres, nous, on commence à biper partout, là. Ça va sauf que biper. Quand je voyage comme ça, je vois les. Ça dit. Tu entres dans Air Tahiti, tu vois seulement les gars, tu vois seulement les Tahitiens. Hein? Il y a pas, pourtant, c'est une compagnie française. Hein? Mais vous entrez dedans là, vous voyez seulement les Tahitiens. Le commandant de bord, oh, les stewards, oh, les hôtesses, oh, Tahitiens. Tahitiens. Et nous avions la première compagnie d'un pays. Aujourd'hui, on n'a plus de compagnie aérienne. D'où Jésus? Et vous parlez fort. Et vous parlez fort. Et vous êtes assis là. Un groupe de personnes a foutu le désordre absolu dans un pays. Chantal a dit, si tu aurais dû te taire. Hein? Tu aurais dû te taire. Tu sais plus que tu en as trop dit. Ou pas assez. Tu en as trop dit ou pas assez. L'histoire Martinez Zogo, il faut bien l'écouter, hein, ce que les gens ne veulent pas dire. Les noms disent. Oui? C'est quoi? Non, non, ça va aller, maman. Il ne fait pas aussi froid que ça. Ah, je suis bichonnée ici, ma soeur me demande si elle veut la couverture. Il paraît que le patin était ici, lui, il avait le plaid dehors. Non, Chantal, là, ici, tu aurais dû te taire. L'histoire, je répète ici, hein, l'histoire Martinez Zogola. Ce n'est pas une histoire de la ligne machin, de la ligne ceci, de la ligne cela. C'est ça qui l'a mené. C'est le chemin. C'est-à-dire, il a cru qu'il était en train de traiter les histoires d'argent du 237. Il est tombé dans un méga truc. On ne tue pas Martinez à cause des histoires, les lignes. Voilà votre ministre accusé d'assassinat qui n'est toujours pas viré hein, du gouvernement. Oui, je suis en Californie. Il n'est toujours pas viré du gouvernement. Non, non, garde mon soleil, donc je ne partage pas. Un ministre de la justice, quand vous dites souvent dans ce pays justice pour tel, vous demandez justice à qui? Un tueur en série. Voilà les Camerounais qui ne bougent toujours pas. Hein. Elle a trop ou pas assez dit. Elle sait. Elle sait des choses, cette fille-là. Elle ose dire que, oh, elle n'a pas pris parti. Oh, elle s'est tuée. Tu t'es tuée où? Tu as deux frères qui ne s'entendent pas. Deux frères qui se bagarrent.
un meurt, l'autre est accusé. Et tu prends les photos de celui qui est accusé, tu dis que tu soutiens celui qui est accusé. Et celui qui est décédé alors, qui est sa voix? Qui est sa voix? Dès lors que quelqu'un est accusé, le genre de soutien que vous apportez là, on n'apporte pas le genre de soutien là. On apporte, tu soutiens Loki Loki à la maison. Tu soutiens derrière, derrière. Surtout quand on te dit que les choses, les preuves sont accablantes. Hein? Oh, c'était mes frères. Vraiment, c'était mon frère. Un de tes frères meurt et c'est le rescapé qui est accusé. Et tu crois que c'est banal? Est-ce que tu crois que c'est banal? Même si c'est ton propre enfant, tu ne vas pas le supporter aux yeux du monde comme ça, face aux défunts. Ça ne se fait pas. Mais comme on vous a tellement dénaturé, comme c'est le plus riche même qui est accusé d'avoir tué le plus pauvre, et que vous autres là, vous gérez seulement celui qui assure le pain quotidien de votre estomac. Chantal Aïssi, tu aurais dû te taire. Les autres sont journalistes, les J-Point, tout ça sont journalistes, mais toi, tu aurais dû te taire. Mais comme vous aimez souvent vous justifier, question de faire croire aux autres que vous avez raison, voilà que tu t'es noyé. Hein? Tu t'es noyé. C'est même pas seulement une histoire d'argent. Elle connaît une partie de l'affaire. Quand vous écoutez cette femme-là, elle-même dit que en ce qui concerne Martinez, c'était trop tard. Donc, elle savait que le sort de Martinez était scellé. Et par contre, quand Martinez disparaît, tu oses dire que oui, Martinez, c'est disparition. Pourtant, tu sais très bien que entre Zomloa et Martinez, c'était Ziglikpakpakpa. Et il avait déjà été envoyé en prison. Donc, ça n'était même pas venu à l'esprit que, oh, on a pu l'attraper à nouveau, l'envoyer à Kondegui. Non, c'est que Martinez était allé se balader. C'est vous qui saviez que Martinez était dans le sale drap, qui avez passé votre temps à dire que Martinez allait se balader. Hein? Vous, elle sait quelque chose. Parmi les gens qui bavardent là, cette fille-là sait quelque chose. Elle sait. Elle sait peut-être pas tout, mais elle connaît les grandes lignes. Et qu'on ait un problème d'État, hein? Vous avez essayé de gérer ça comme si c'était des histoires de village. On parle de... Eh mon Dieu, Seigneur. On parle de tout un pays. Donc vous avez vraiment pensé que le Cameroun, c'est votre chose. Donc vous avez vraiment cru que le Cameroun, la gestion du Cameroun, c'est une histoire de village. Voilà donc que vous avez des crimes d'État. Pas qu'un seul crime. Oh, comment se fait-il que Martinez s'entendait avec Jean-Pierre Amoubelinga du jour au lendemain a décidé de le déposer? On dépose quelqu'un comme ça pour rien. Le genre de dépôt là, on ne dépose pas comme ça pour rien. Pas dans ce pays-là, avec l'éducation que nous avons eue. On ne dépose pas quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, Amoubelinga montait au nez de Martinez comme la moutarde, monte au nez de quelqu'un qui ne sait pas la manger. Bertrand Mbarga, est-ce que je suis dans ton camp, mon frère? Regarde, je suis en Californie. Est-ce que c'est une histoire d'aimer Martinez? Nous autres ne connaissions pas Martinez. Martinez nous tapait même dessus. Quelles intentions au final? C'est vos histoires de Yaoundé là, vos grands mots de Yaoundé, ça ne marche plus. Vous n'aurez pas, parce que c'est à nous seuls. Mon frère, Bertrand Mbarga, écoute-moi attentivement. Ce qui arrive dans... Est-ce que Martinez savait qu'il allait être tué par ses propres frères? Bertrand Mbarga, entre toi et moi là, qui est le plus susceptible de mourir de la main de son frère? Moi, je sais comment me tenir avec mes frères. Toi, tu sais. Le régime là est foutu. Vous avez des ministres tueurs en série, des hommes d'affaires tueurs en série. Quand tu viens parler de nous là, nous sommes lucides. Ça ne va pas nous prendre dans le dos. La balle là, je vais la voir bien en face. La mort, là, je vais la voir venir d'en face. Je ne suis pas comme toi. Hein? Un sang mimbang. Voilà les hommes. Regardez ce que vous avez fait de votre pays. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Nous voulons quoi? C'est nous qui sommes tués. Nous savons comment marcher. Est-ce que Martinez savait qu'il allait être tué par ses propres frères? Martinez ne dénonçait pas ses propres frères, là. Hein, mon frère? Vous êtes à mille années-lumière de cerner ce qui se passe dans votre pays, là. Votre pays est foutu. Foutu pour foutu. Quand on dit foutu, c'est même positif. Quand on dit foutu, c'est positif. Mbarga, vous avez vraiment cru qu'une nation, un pays,
Un État se gouverne comme l'association du village. Hein, mon frère? Donc, vous avez même pensé une fraction de seconde qu'on gouverne l'État comme on gouverne sa chaîne de famille. Voilà ça aujourd'hui. Des tueurs en série. Tu sais ce que c'est, tueur en série? On n'accepte pas ça dans la population déjà. Mais vous, au sommet de l'État, c'est ce que vous avez. Des voilà, les voilà, c'est toujours les mêmes. Mon frère. Eh bien, Jean Barga, nous connaissons trop de personnes en commun. Je suis sur ton mur. Tous ces gens que tu vois là, sur ton mur là, j'ai grandi avec eux. Je suis leur aîné. Même Fernand que tu vois là, je suis l'aîné de Fernand. Ma deuxième maison, c'était chez eux. Demande-leur. Bertrand Barga. Je dis que les trois photos que je vois là, les trois amis que nous avons en commun, ce sont même deux personnes. Fernand a deux. Les deux que tu vois là, ce sont mes petits. C'est ma petite soeur, mon petit frère. Fernand a un an de moins que moi, si je ne m'abuse, ou deux. Fernand, si. Ma deuxième maison, c'était chez eux. Le monde, c'est très petit. Ne viens pas mal ici. Ne viens pas mal ici. Leur père est décédé récemment, non. C'est mon tonton. Et pas mon tonton, quand c'est, ils ont grandi avec ma grand-mère. Leur mère a school avec ma mère, qui est son aîné même de loin. Tata Perpétue, je vivais chez eux, non. Ma deuxième maison, c'était là-bas. Je quittais leur maison à minuit pour aller dormir dans mon lit. Donc, comme tu viens là, mon frère, ne viens pas mal. Ne viens pas mal. La fille est ici au Canada, non? Le monde, c'est petit. Hein? Quand vous marchez souvent là comme des hommes en peine, renseignez-vous avant. Renseignez-vous avant. Les miettes que vous ramassez au Cameroun là vont vous rester en travers de la gorge. Hein, mon frère, le pays est fini. Fini de chez fini. Si nous ne redressons pas ça, vous allez redevenir des esclaves. Et ce sont vos frères là qui vont vous vendre. Oui. Ce sont vos ancêtres là qui vont vous vendre. Vous aimez trop. C'est une histoire d'aimer. On t'a dit que dans une nation, nous sommes obligés de nous aimer. Le respect pour la vie, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est le respect de l'humanité? Toi, tu te considères, toi, tu vis comme un animal, c'est normal que tu viennes nous parler d'amour ici. L'amour, c'est quoi? Si ce n'est pas prendre soin les uns des autres, c'est quoi pour toi? L'amour, c'est quoi? Toi, ton seul amour, c'est ton estomac. Ton seul amour, c'est ton estomac. Tant qu'on te met deux, trois grains de grains de riz dans la casserole, là, tu es à l'aise. Des choses peuvent s'écrouler autour de toi. On peut violer ta femme, violer tes filles, violer même tes fils. T'en as rien à foutre. Tu as l'impression que tu vis comme un être humain. Voilà une poignée de personnes qui a foutu en 40 ans un pays en l'air. 40. 40. Aïdjo avait amorcé le développement de ce pays-là en moins de 30 ans. Notre bon à rien de fils-là. Moi, comme vous aimez trop... Eux, ils aimaient trop Martinez. C'est pas eux qui l'ont tué. Nous n'aimons pas Martinez sur la corde. Les qui ont tué Martinez? Ce ne sont pas les étangs qui se bouffent entre eux. Ah, encore heureux, vraiment, le ciel si, hein. Il n'y a aucun nom Bamileke jusqu'à présent. Mais vraiment, gloire au ciel. Parce que si un nom Bamileke vient à sortir de l'histoire, là, ah, vraiment. Ce n'est pas un gars étang. Des gars étang qui sont accusés d'avoir tué Martinez. Comme toi, tu viens nous parler d'amour, là. Tu viens nous parler d'amour, mon frère. Les qui se bouffent entre eux, dans Yaoundé, là, les politiciens qui ont passé leur temps à s'entretenir, ce n'était pas les écans eux-mêmes. Parmi les grands de Yaoundé, là, vous entendez soit les noms venus d'ailleurs. Ce ne sont pas les écans entre eux. Ce n'est pas eux qui ont passé le temps à s'entretuer. Voilà Chantal ici qui aujourd'hui vient nous raconter des bêtises. J'aimais Martinet. Tu aimais Martinet. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as préféré aller lécher les bottes à celui qui a de l'argent. Il se dit même que tu as sa maîtresse.
à donner aux Chinois qui vendent le Cameroun aux enchères, c'est plus la peine. Et avec les Camerounais dedans. Hein. Parce que moi, je ne sais pas qui va vous récupérer. Le Cameroun est fini depuis comme les Phéniciens. Vous savez quoi? Les nous autres, nous nous battons. Hein. Mais moi, une comme moi, je suis à l'aise avec ma vie. Regardez. 2 semaines et demie au soleil. Sous le soleil de Californie, mon gars. Ce sont les Camerounais qui ont travaillé l'argent. L'argent du blanc. Là où je suis assise ici. Une Camerounaise. Hein. Seule. Seule. Il n'y a pas que l'homme est monté, descendu. Regardez où je suis assise. Hein? Vous avez l'impression que nous autres, si. Souffrant plus que vous aux 237. Je me suis enfermé 11 heures dans un avion. J'ai changé de continent. Vous êtes incapable dans cette Afrique-là d'entrer même au Congo, d'entrer au Gabon, d'entrer en Guinée équatoriale. Les Camerounais, vous êtes refoulés de Guinée équatoriale. Le Gabon alors, hein, pour entrer là-bas, ça tu étais Bomaye. Ça tu étais Bomaye. Nous autres là, pourquoi est-ce que vous voulez que une comme moi là, que je sois attachée à l'Afrique? Pour faire quoi non? Pour faire quoi? Non, non, sincèrement, l'Afrique m'apporte quoi? Je suis assise ici. Ici là. La vie, c'est un minimum de confort. Voilà votre pays dans lequel vous n'êtes plus à l'abri d'un assassinat. Oui. Si nous laissons passer le meurtre, l'assassinat de Martinez, dites-vous que c'est fini. Les gens d'en haut en haut auront donné le, ça dit, auront le chèque en blanc et les gens d'en bas aussi auront le chèque en blanc. Ça veut dire que les problèmes désormais au Cameroun vont être réglés à coups de couteau, à coups de machette. Mettez-vous ça bien, l'embargo là, mettez-vous ça bien profond dans votre tête. Et vous dites que la capitale, c'est pour vous, non? À votre avis, il y aura plus de meurtres où? Et c'est vous qui luttez aujourd'hui pour avoir le pouvoir. Il y a quelque temps en arrière, là, c'était, oh, quand on veut à tout prix le pouvoir, il veut le pouvoir à tous les prix. Et jusqu'à preuve de contraire, quand on n'est pas sorti dans une histoire de prise de pouvoir via un coup d'État, via des assassinats. Hein? Via des assassinats, il n'y a pas de camp dedans. Hein? Quand vous parliez des gens qui veulent à tout prix. Le prendre le pouvoir, disant que Kamto veut marcher sur le sang des Camerounais, dans le sang des Camerounais pour prendre le pouvoir. Il a tué qui? Voici donc aujourd'hui les Amurobilinga qui sont cités dans une histoire de camp, de clan, voulant accéder au pouvoir. Voilà ça, non? Vous allez vous en sortir. Si Laurent Esso, si tout ce monde-là n'est pas arrêté, vous allez entendre dans ce pays-là. Laurent Esso ne va pas laisser. Laurent Esso ne va pas laisser son pion aller en prison sans rien faire. Et si Danwe a dit la vérité en ce qui concerne une partie de ceux qui ont participé, qui ont assisté à la mort de Martinez Zogo. Vous pouvez nous dire comment est-ce que ça se fait que l'autre moitié ne soit pas vrai? Pourquoi est-ce qu'un souhait est au CED? Pourquoi est-ce qu'Amour Belinga est au CED? Pourquoi est-ce que Apikoro est au CED? Et pourquoi pas Laurenson? Soit Danwe a dit la vérité, soit il n'a dit aucune vérité. Si vous n'arrêtez pas le chef de gang, autant faire sortir Amourou Belinga. Nous, on va monter au créneau pour qu'Amourou Belinga sorte. Ah oui. Vous n'allez pas nous entuber comme ça. Vous allez avaler cette couleuvre-là tout entière. Vous ne pouvez pas l'avaler à moitié. Non, non. Vous allez avaler la queue, vous laissez la tête dehors. Non. Vous allez l'avaler tout entière. Vous laissez. Vous laissez. Vous faites sortir ceux qui sont dedans. Jusqu'aujourd'hui, là. Il y en a qui disent que le ministre a l'immunité. Où ça? Il y a un ministre difficile à virer. Aïe Joe, tu étais ministre à 11h59, à midi, tu ne l'étais plus. Un bout de papier bien signé, par qui vous voulez. Et Laurent Esso n'est plus ministre.
Voilà votre pays et vous continuez à le faire pourrir. L'affaire Martinez Zogo, partout où vous allez. Ah, mon fils, l'affaire qui a secoué le monde là. Vous négligez ça. Je vous ai souvent dit que si vous Camerounais, vous ne voulez pas la justice, l'Occident va vous rappeler à la loi. Parce qu'il s'agit de l'humanité. On ne peut pas donner un chèque en blanc à un peuple pour qu'il commence à tuer les êtres humains comme ça. Non. Jamais. Donc, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il n'y a pas de « Oh, il faut recommencer l'enquête. » On recommence quelle enquête? Parce qu'il y a eu des tractations. Les gens doivent revenir sur leurs paroles. On vous a dit que c'est ça. Ça, c'est mener l'enquête, ça. C'est mener l'enquête, ça. Amourou Belinga n'a pas besoin. Amourou Belinga n'a pas besoin d'avouer. S'il y a un faisceau de preuves, il y a des témoignages qui convergent vers lui. Il passe devant le tribunal. Hein. C'est à lui d'apporter la preuve comme quoi il n'a pas pu. Je ne fais que le répéter ici depuis. Vous attendez que ce soit les Occidentaux qui le disent. Quand tu es pointé du doigt, et ça c'est le travail du peuple, vous pouvez monter, vous descendez, oh, que Facebook n'est pas le tribunal. Et on s'en fout. Dans toute enquête, on pointe d'abord quelqu'un du doigt. Vous n'allez pas refaire le monde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est tombé sur votre personne, entre parenthèses. N'oubliez pas qu'il y a des précédents. Vous-même là qui avez passé votre temps à dire sur le même Facebook ici que Maurice Kamto doit être condamné à mort. Et j'ai du soleil dans les yeux là. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle celui-là? L'autre vendeur, l'ancien vendeur de noix de coco là. Comment on l'appelle? Ah, oh, bon sang, bonsoir. Amerde Kamé. Amerde Kamé ne disait pas ici que Maurice Kamto mérite la peine de mort. Il n'avait pas dit ça ici. Sur la même toile-ci. Maurice Kamto qui a été embarqué avec un mandat de perquisition. Aujourd'hui, les avocats Lolo d'Amourou Belinga viennent dire qu'il n'y a jamais eu de convocation. Quand tu es pointé du doigt dans une histoire de meurtre, il y a la convocation dans ça. Mais vous fumez ou quoi? Un avocat, hein? Un avocat. On t'accuse d'assassinat, même pas que meurtre, même pas que... Et même si c'est un accident, là, tu percutes quelqu'un. Délit de fuite. Dès qu'on a, on soupçonne que c'est toi. On vient te ramasser chez toi, mani militaire, et on casse la porte. Donc, qu'est-ce que, si c'est tchou machin là, qu'est-ce que l'avocat d'Amourou Belinga veut raconter aux gens là? Qu'on allait l'arrêter sans convocation. Il y a convocation en matière criminelle. On te convoque, c'est quoi? C'est le témoignage qu'on cherche. Hein? Si on attendait que tous les assassins présumés soient convoqués, il y a beaucoup qui prendraient la clé des champs. Oui, après le mandat de perquisition, ça c'est autre chose. Mais embarquer quelqu'un, pas de diamant. Il boit les langues toi-même. Mais billets langues toi-même. Mouffe toi-même. Hein, pas de diamant. Comme toi-même, tu n'as pas les langues là. Tu sais même d'abord te torcher. Hein, pas de... Tu sais ce que tu sais, il y a te torcher. Moi, je suis bien assise sur ma part des langues. Toi, ta part là est où? Ta part est sur la tête. Nous avons tous les langues, non? Sauf que toi, t'as éboilé les langues là à ton âge, tu ne sais pas te torcher. Tu te torches avec quoi? Avec les doigts, avec les feuilles de bananier. On vous dit juste la réalité. Et c'est ça qui vous fait mal. Oui, vous êtes sur la même toile-ci. Vous dites que Facebook n'est pas le tribunal. Mais sur cette même toile, vous avez passé votre temps à dire que les gars du MS doivent être condamnés à mort. Bibouni Sak a pris 7 ans. Pourquoi? Bibouni Sak n'a même jamais dit qu'il irait marcher. Ah oui, oui, oui. Procès d'intention. Il a pris 7 ans. Vous venez raconter quoi à qui aujourd'hui? C'est votre système, non? Moi, vous avez dit qu'il devient aussi idiot que vous. C'est votre, comme vous faites le lit, c'est comme ça que nous nous couchons tous. Ils ont même fait semblant de chercher les mandats de perquisition et tout. Donc, estimez-vous heureux, qu'il y ait même eu une enquête. Hein? Bimouni Sak est passé devant un tribunal militaire pour avoir fait quoi? Pour avoir respiré dans le 237, pour être né au 237. Hein? Bimouni Sak a pris 7 ans pour être né au 237. Les ambas qui sont enfermés là-bas, qui n'ont jamais été jugés. Ils sont enfermés à Koningi depuis 5 ans, pourquoi? Depuis 6 ans, pourquoi? Hein? Sans qu'on leur ait jamais dit pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés.
C'est votre pays. C'est ce que vous avez adoubé. C'est le système pour lequel vous avez voté. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui? Que tout le monde, nous ne sommes plus Camerounais, tous de la même manière. Hein? Il y en a qui ont droit à des égards, d'autres pas. Il y en a qui doivent être condamnés à mort sans aucune explication. Et il y a ceux qui sont accusés d'avoir fait, qui ne doivent pas être jugés. Mais oui, non, faux, me faux. Mais le feu sort. Le feu sort, sans rien donner à la veuve et à l'orphelin. Eh, mon frère, tu adresse-toi à l'État. Adresse-toi à l'État. Toi, tu as donné combien à la veuve et à l'orphelin? Le pays, là, n'a pas de système. La veuve a droit à une pension de réversion. Les enfants ont droit à la pension de réversion. Leur père a travaillé. Tu viens réclamer l'argent. Tu viens réclamer l'argent chez... Où je suis assise ici. On t'a dit que c'est simple. C'est toi qui payes ma connexion. Hein? Depuis que nous gagnons l'argent ici sur Facebook, nous avons attendu la mort de Zoro pour gagner de l'argent. Allez, les bêtisiers comme ça. Des répétiteurs. Même le répétiteur, là, est intelligent. Hmm? Nos pages, nous avons attendu que nos pages soient monétisées pour commencer à faire des directs. Hein, mon frère? Je suis ici depuis plus de 4 ans. J'entame ma 5e année. Hmm? Et en ce qui concerne la page, si je ne sais même pas où passe l'argent. Et même si ça entrait dans ma poche, je serais la roha en train de manger ça. Parce que ce que je fais là, c'est du travail. C'est pas moi qui ai créé le système. Hmm? Même TF1 a une page monétisée sur Facebook. Doumkoff. Toi aussi, lance cette part de page ici, tu la monétises. Quelqu'un t'a arrêté. Un truc qui est ouvert à tout le monde. Hein? Des systèmes sont créés, mais les imbéciles que vous êtes, incapables que vous êtes, vous en voulez à ceux, bonjour Yann, vous en voulez à ceux qui, eux, utilisent le système, mais n'utilisent pas, font ce que le système accorde. C'est pour ça que votre pays n'avance pas. Vous voulez, où est la pétition là, pardon, épinglez celle-ci, allez signer la pétition, moi il y a signé deux pétitions même, ou c'est la même, ou ce n'est pas la même, épinglez, signez la pétition, dis donc. Votre tueur en série de ministres doit être viré. S'il ne peut pas démissionner, qu'il soit viré. Voilà ce qui est la vérité. Tu viens regarder l'argent qu'il y a dans les poches des autres. Donc vous êtes déjà à faire le reproche aux autres d'aller travailler, de gagner de l'argent. Vraiment. Je n'aurais même pas dû regarder ce film-là. J'ai regardé Woman King. J'ai eu mal au cœur. J'ai vu, c'est-à-dire, j'ai vu ce que moi je perçois de l'Afrique. Que sont les Noirs eux-mêmes? Votre problème sont les Noirs, ce ne sont pas les Blancs. Ce ne sont pas les Blancs. C'est vous-même qui avez vendu vos propres frères. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore. Regarde les imbéciles comme ça, au lieu de se battre, ils ne se battent pas. Bonjour Yann. Ils ne se battent pas, ces petits cons. Ils viennent nous faire le reproche de nous battre. Quand tu vas arrêter l'hémorragie, ils viennent te culpabiliser. Donc je travaille, je gagne mon argent. Tu viens me dire, tu viens me faire les reproches de travailler, de gagner mon argent. Tu peux produire du contenu, petit con. Tu penses que c'est pour rien que Facebook a décidé de nous lancer des miettes? Parce que nous faisons gagner de l'argent à Facebook. Et ce qu'on nous donne même là, c'est zéro. C'est peanut. Vous êtes assis là. C'est-à-dire, vous ne voulez pas aller vers l'excellence. Vous ne voulez même pas aller vers le travail. Et vous faites le reproche à ceux qui se bougent derrière. De se bouger de derrière et d'avoir des revenus. On vous a dit que la vie, c'est le bastonnade. Founing, vous avez dit que la vie, c'est le bastonnade. Et Founing n'était pas là à l'école. Du moins, l'école conventionnelle, là. Hmm? Mais l'argent de cette page, même les gars, si ça entrait dans ma poche, les gars, je serais assise ici après avoir pris l'avion en classe business. Tu parles de quoi? Tu sais combien la page est rapporteuse? Hein? Et j'ai même décidé de ne pas traverser ça. Je ne sais pas combien la page se rapporte. Pourtant, je peux aller regarder. Hmm? Je peux aller regarder. C'est moi qui fais fonctionner ça ici avec les gens qui regardent. Mais nous qui sommes ici, l'argent là, on ne gère pas ça. On ne gère pas ça ici. Que ce soit les gens qui activent le revenu, que ce soit moi qui suis assise. On ne gère pas ça ici. C'est vous qui nous rappelez même souvent que la page s'est monétisée. Est-ce que nous, on gère ça? Est-ce que nous, on gère ça? On ne gère pas ça. Nous sommes là pour l'humanité. Vous, tout ce que vous regardez, c'est l'argent.
Et c'est pour cela que les Amugubelinga vont passer le temps à vous, à finir avec vous comme on finit avec le chien. Même le chien l'a respecté quand on finit avec lui. Hein? Le chien au Cameroun, maintenant, on le tue, on le mange. Vous avez vu comment ils ont fini avec Martinez Zogo? Vous venez nous dire maintenant que, oh, vous faites comme si vous aimez Martinez. Mais en même temps, vous dites, oh, pourquoi vous n'avez pas parlé comme ça pour Ouazizi? Pourquoi vous n'avez pas parlé comme ça pour... Il y a un début à tout. Ça va commencer à commencer avec Martinez. Pian. Parce que si nous ne faisons pas ça aujourd'hui, demain, vous viendrez encore nous dire que, oh, quand c'était Martinez, vous n'avez pas parlé. Les Camers. Oh, bon sang de bonsoir. Peuple maudit. Les Camers. Des Camers. Ça dit, quand j'ai regardé Woman King, j'ai vu les Camers dans toute leur splendeur. Oui, des hommes qui ont vendu leurs propres frères. Pourquoi? Pour du sel, pour du whisky. J'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film? Je suis encore plus vénère qu'avant. Parce que dans toute fiction là, il y a de la vérité dedans. Je vous ai souvent dit que parmi nous là, il y en a qui portent encore les apparats de la traîtrise. Il y a des pans de l'histoire du monde que vous n'avez pas fait. Il y a des trucs, rien que comme, des petits trucs comme ça, mais qui montrent la traîtrise des hommes. Eh oui, si nous avons été vendus, c'est parce qu'il y avait des traîtres, parce que nous sommes un peuple de traîtres. Et par-delà le monde, quand il faut se serrer les coudes, il y a toujours des petits traîtres là, qui viennent vous culpabiliser. Oh, vous aimiez trop Martinez. On vous a dit que c'est une histoire d'amour. Hein? Oui, nous sommes, c'est la plus grande preuve d'amour que nous sommes en train de prouver là, donner à Martinez, sous posthume 7. Parce que nous, une comme moi, je reconnais que le gars là, il est mort pour nous. Vous parlez souvent de Jésus, vous étiez là. Jésus est mort pour laver les péchés du monde. Martinez est mort pour laver les péchés des Camerounais. C'est à cause des Camerounais que nous en sommes arrivés là. Des personnes qui pillent l'argent public. Des personnes qui tuent pour l'argent public. Les personnes qui tuent à cause de l'argent public. Vous êtes assis là. Mais vous allez prier Dieu tous les jours. Moi, je prie Martinez, oui. Parce que je mesure. Même si ce n'était pas son but à l'origine. Hein? Je ne sais pas que Jésus, là, lui-même, là, avait pour but de finir sur une croix. Donc, vous êtes assis. Et ils vont, ce sont ses propres frères et cancres. Hein? Oui, vous êtes dépassés. Hein? Vous êtes dépassés. Parce que ce sont d'autres que les écancres, là, qui luttent aujourd'hui pour Martinez. Vous êtes assis là-bas. Vous êtes pro Amugubelinga. D'où Jésus. Vous venez nous parler des pages monétisées. Vous n'avez pas honte. Quand vous dites souvent ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont valables pour les autres. Et quand vous arrivez au 237, ça ne marche plus. Même les grandes chaînes de télé. Vous allez sur la page de TF1. Il y a la monétisation. Vous allez chez Equinox, il y a la monétisation. Toutes les pages Facebook là sont monétisées. Si TF1 a appuyé sur les boutons monétisation, c'est nous qui n'allons pas appuyer dessus. Parce qu'il y a des petits va-nu-pieds qui passent leur temps à marcher sur leur cerveau. Qui passent leur temps. Signez la pétition, dis donc. C'est épinglé là. Allez signer. Ce n'est même pas. On était à quoi? 18 000 il y a quelques heures. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? 18 000? On devrait être 1 million là-bas depuis. Seulement la bouche, la bouche, la bouche. Voilà votre caméra. Vous allez vivre avec. Vous allez vivre avec ce pays-là. Vous voyez les nous autres. Vous avez dit que s'il y a quelqu'un qui est à l'aise avec son passeport français, oh, d'où Jésus. Avec son pas seulement son passeport français. Attendez donc, engagez donc la lutte contre la France. Là, vous allez voir comment je suis trop française. Vous allez voir. Voilà les Nathalie Yambe aujourd'hui qui sont en train de vous laisser au carrefour, non? Parce qu'au lieu de vous regarder dans le miroir, c'est toujours la faute de l'autre. Comme si les Français vous gèrent ici. Nos propres enfants nés français, là, ne nous gèrent pas. Ce sont les franco-franchouillards qui nous gèrent. Maintenant, nous autres, là, même aux frontières, nous autres, là, on nous surveille. Tu veux traverser la frontière, tu as le problème de quelqu'un d'autre. On prend ton passeport, on commence à aller. Un vieux passeport. Mon passeport expire en 2024. Dans un an et demi. Le gars regarde mon passeport, il commence par le vol, comme s'il travaillait à l'aéroport. J'ai à traverser. J'ai ma carte d'embarquement, le gars. Elle se m'a dit que, dis donc, j'étais posé là comme si je n'étais, mais j'étais même moi ma chose hier en Californie. Elle dit que, avec ma voix qui, hein, avec mon tonnerre de voix là, cherche-moi ici. Vous allez venir me ramasser ici, mais j'avais raté mon avion. Donc nous sommes là, nous mettons même en difficulté là face aux pays qui, nos pays d'accueil. Les imbéciles, vous êtes dans votre espèce de faux sceptique. Je vous dis que je n'ai pas encore trouvé le mot.
au-dessus de faux sceptiques. C'est pour ça que je joue à faux sceptiques. À votre pays aujourd'hui. De vrais barbares. Et après, vous allez dire, oh, vraiment, les Blancs nous tuent, hein. Ils ne nous aiment pas, hein. Vous avez vu les Marocains, ah, vraiment, hein. Ils nous tuent comme si on était des animaux. C'est ce que vous êtes. Eh oui. Eh oui. Merci, Léo. Oh, maman, je viens manger à la maison quand? Hein, Léo? Écoutez, écoutez votre... la bêtise des Camerounais au lieu de se taire. Hmm? Écoutez, Macha. De la mémoire, comme je dis, de Martinez par rapport à nos causeries. Je vais respecter sa mémoire. Les causeries de Martinez et moi, ça va. Quand quelqu'un est mort, il faut respecter. Mais quand aussi on a là, demain, au courant de la situation, que toi aussi tu sais. Les causeries, quelle causerie la mère? C'est toi qui as commencé. Hein? On t'a pas donné le micro. Hein? Oh ya ya nyoué, wadang, kobon, kobon, zang, silu, sili. Soit tu en as trop dit, soit pas assez. Tes causeries avec Martinez, tu respectes sa mémoire. Il est mort à cause de ce qu'il disait. Il est mort à cause de ce qu'il disait, à cause de ce qu'il avait découvert. Donc quand tu dis que tu respectes la mémoire, la sang nous dit, nous avons besoin de savoir pourquoi cet homme-là a été autant mutilé. Hein? Et tué à la fin, nous avons besoin de savoir. La vérité doit être établie. Toi, tu dis que tu as causé avec cet homme-là. Tu étais au courant de certaines choses. Tu viens là, tu... En bonne Camerounaise. Hein? Mmh. Les noms dit, pas assez dit, mais dévoilé quand même. Hein? Vous aimez entendre que vous faites des mystères. Ça va finir par se savoir. Même en fin de vie, les gars l'avaient dit. One day, ce sera su. Même sous posthume. C'est très grave que en Chine, on en a juste très grave. Ah, c'est qui encore? À un moment donné, tu interpelles les hommes blancs, puisque ce sont tes deux amis. Oui. Le problème, c'est que, oui, je ne peux pas te mentir, oui. Effectivement, quand ça se passe comme ça, tu écris les deux. C'est ce que j'ai fait. Quand quelqu'un vous précise déjà que je ne peux pas te mentir, c'est que la personne dit beaucoup de mensonges. Hmm? Je ne peux pas te mentir. Pourquoi préciser que je ne peux pas te mentir? Ça veut dire que ce que tu as dit avant, c'était des mensonges. Ce que tu comptes dire après sont des mensonges, mais hein, dans ce laps de temps, tu comptes dire la vérité. Ah, le soleil, là, je l'ai dans les yeux. Hein, la main. Regardez le doux soleil de Californie. Mon. Abîme tes fois. Abîme tes. La vie est beau jusqu'à le feu sort. Hum, machin. Moi, ce sont les non-dits que j'entends. Machin, tu n'as rien dit. Il me faut un traducteur. Bon, pour commencer, tu es un français, un ja. Mais quand tu veux dire sans dire, tu donnes encore plus mal à la tête. Machin. Tu parles ou tu ne parles pas. Hein, la mère? Tu parles ou tu ne parles pas. Tu ne peux pas nous dire, j'ai eu des conversations, mais tu ne nous dis pas de quoi il s'agit. Pourtant, cet homme-là en est mort. Hein? Donc, tu dois être entendu. Machin, sauf que toi, tu n'es pas journaliste. Hein? Ah, on va t'obliger à dire tes sources. Hein? Ah oui, les journalistes ne sont pas obligés de dire, donner leurs sources. Mais toi, tu n'es pas journaliste. Donc, tu vas sauf que donner tes sources. C'est toi qui es engagé. Hein? Tu étais là-bas au lieu de rester dans ton mutisme. Tu as décidé de venir nous expliquer pourquoi est-ce que tu avais la bouche fermée. Il fallait garder ta bouche fermée. Eh oui, maintenant tu es venu dire que tu es parmi les derniers à avoir parlé à Martinez. En matière d'enquête, les derniers à avoir parlé au suspect, même si c'est en ligne, même si c'est au téléphone. Même si c'est au téléphone, mon gars, il faut qu'on t'écoute. Il faut qu'on t'entende. Parce que cette histoire-là, Seigneur, oh, l'histoire de Martinez, ça va rester dans les annales du monde. Oui, on parle de crime d'État. Quand on parle de crime d'État, si une comme moi là, pourtant je ne suis pas politologue, hein, je commence à vous faire le déroulé de ceux qui qualifient ce crime-là d'État. Vous allez jeter votre pays. Hein. Vous allez jeter votre pays. Je vous dis depuis, avant même que TV5 Monde parle, le journaliste de Reporters sans frontières parle des crimes d'État. Vous allez dire ici que c'est un crime d'État.
C'est même au-delà du crime d'État. C'est même au-delà. Et ce n'est pas le premier crime d'État au 237. Eh oui. Laurent Esso doit passer au fil de l'épée. Vous ne pouvez pas laisser la justice d'un pays, même si c'est le pays le plus corrompu du monde, entre les mains d'un tueur en série. On n'a pas parlé de quelqu'un seulement qui est corrompu, c'est-à-dire c'est un des chefs de la mafia de ce pays-là. Ah, eh Seigneur. Je suis même en vacances là. Je suis là au lieu de prendre même... de reposer mon cerveau. Me voici encore ici. Le ciel de Californie, là, va me cuire le peu de bon sens qui me reste là. Elle va repartir, moi, complètement fou, rentrer fou au 33. Signez la pétition, dis donc. Le problème, ce qui me fait mal, c'est que je ne connaissais pas le niveau de gravité de trucs qui étaient compliqués. C'est un truc. Elle ne connaissait pas la gravité du truc qui était compliqué. À quel moment tu as mis le doigt sur la gravité? À quel moment tu as su que l'affaire compliquée elle a été grave? Ou bien que l'affaire grave elle a été compliquée? À quel moment? Je sais que ton français est un bracata, mais il va falloir que tu fasses le témoignage en Ewondo. Ah non, non, c'est trop facile. C'est trop. On a des personnes qui ont les choses dans le ventre. Là, les personnes qui ont les choses dans le ventre. Eh oui. Rembobinons, rembobinons. Je laisse la justice et je respecte la mémoire, comme j'ai dit, de Martinez par rapport à... Trop facile. Nos causeries. Je vais respecter sa mémoire. Les causeries de Martinez... Est-ce qu'on t'a demandé de violer sa mémoire? Quand quelqu'un est mort, il faut respecter. Quand quelqu'un est assassiné, on ne parle pas de mort basique. On cherche à connaître la vérité sur sa mort. À un moment donné, tu interprètes le sang blanc, puisque ce sont tes deux amis. Oui. Le problème, c'est que oui, je ne peux pas te mentir, oui. Effectivement, quand ça se passe comme ça, tu écris les deux. C'est ce que j'ai fait. Le problème, ce qui me fait mal, c'est que je ne connaissais pas le niveau de gravité de trucs qui étaient compliqués. Si c'est pas très privé, tu peux nous dire la réponse que le homme l'a donné? Non, le homme l'a n'avait pas répondu. C'est moi qui l'avais écrit. Le homme l'a n'avait pas répondu. Il avait gardé son silence. Par contre, puisque lui... Il était dans le calme. C'est Zogo qui était... On le voyait violent, tout ça. Donc, pour moi, c'est plus lui qu'il fallait que je calme et qu'il devait me dire qu'est-ce qui a pu faire qu'il se retourne et qu'il sort de ses gonds. Qu'est-ce qui a pu l'amener? Les qui étaient derrière? Ou bien, je ne suis même pas entrée là. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire en vrai. Et c'est quoi? Mais dis-nous ce que tu lui as dit. On t'écoute. Je ne dis pas que j'ai parlé avec Zogo seul. Je dis juste que quand deux amis ont peut-être qu'il y a un problème et que peut-être je suis sa sœur, qu'il fallait... Il n'y a pas de peut-être dans ça. Nous avons tous vu les vidéos. Après, nous avons tous suivi le dossier. À un moment, il fallait les hommes sages pour essayer de calmer. Peut-être qu'il n'y a pas eu. J'ai essayé de parler. Machin, je demande, hein, c'est la folie où il y a soit court. Nous parlons de problèmes de détournement de fonds publics. Hein. Nous parlons de l'argent de tous les Camerounais. Donc, au lieu de passer ces gens-là au fil de l'épée, tout simplement, toi, tu as décidé d'arranger, c'est-à-dire de calmer Martinez Zorro. Le calmer revenait à ce qu'il ne parle plus. Eh, Seigneur, le pays, c'est fini. Le pays, là, est fini. Les gars, j'ai...
Le Cameroun, comme c'était l'histoire du clocher du village. En fait, Chantal est seulement venue faire du bruit, hein. Parce que il faut lire, il faut vraiment avoir la capacité d'entendre ces non-dits. Elle voulait arranger. Arranger quoi? Il y avait quelque chose à arranger là entre Amourou Belinga et Zogo, à part mettre fin à leur capacité de détourner l'argent du Cameroun. Est-ce que faire taire Zogo, c'était la chose, comment dire, c'était la solution? Zogo aurait pu se taire, quelqu'un d'autre. Est-ce que Zogo était seul à parler? Zogo n'était pas seul à parler? Donc, je ne comprends pas. Si vous comprenez, dites-moi. Aller à Zogo, mais c'était tard. C'était tard. Pourquoi? C'était tard Pourquoi tu penses que c'était tard? parce qu'il m'avait dit. Il m'avait Il t'avait dit dit quoi? un truc. Il m'avait dit un truc. Je l'ai senti que. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il m'avait dit qu'il n'était pas content. Qu'il n'était Il n'était pas content de quoi? De ce pas qu'il avait découvert. content de ce qui se passe, c'est tout. Donc, Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais oui! Mais surtout, on va s'entendre pas. Il Comment ça, n'était il pas n'était pas content content de ce qui se passe? C'est lui qui de sa parlait de situation l'affaire des avec son détournements. amant. Il n'était pas content de quoi? Il n'était pas Oui, content de quoi? il m'a dit, il m'avait dit ça. Il m'avait dit que, parce que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'était pas content. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il t'a fait, est-ce qu'il y a eu un problème? Il m'a dit juste qu'il n'était pas, content. Il s'est passé, je sais pas, c'est passé un truc Est-ce que Zogo qu'il avait a. besoin d'être Je lui content? ai demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. Il a essayé de me mentir, mais j'ai compris qu'il était dans une situation où les gens l'avaient détourné. Je ne sais pas. Comme tout le monde a vu. Attends, 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 attends. Et de lui en Donc fait. maintenant, elle parle de détourner. Qui avait détourné Zogo? Donc le fait que Zogo dénonce n'était pas légitime. C'était dû à un détournement. Hey, Seigneur. On va s'en sortir. Mieux, on me tire une balle. Elle parle, mais à la fin, n'a rien dit. Moi, bon, vous avez dit qu'elle a besoin de traducteur. Hein? Trop de non-dits. Trop. Et cette femme, s'il faut qu'on la cuisine, elle doit être cuisinée. Elle doit être cuisinée. Pour ceux qui doutent encore, Amourou Belinga est dedans jusqu'au cou. Ce n'est pas Zogo qu'elle protège, c'est Amourou Belinga. Zogo a dû lui donner deux, trois éléments. Elle-même, elle a pris peur. Donc, quelque part, elle est d'accord avec le fait que Amourou Belinga ait fait taire Zogo. Oui. Parce que si Zogo avait ouvert sa bouche, et il vous dit que ce n'est pas une histoire des lignes de bus là, qui déposent l'argent partout aux arrêts là. Ce n'est pas une histoire de lignes de bus, hein. Non, 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 non. Ce à cause de quoi Zogo est mort est encore plus affreux que ce que vous voyez là. Zogo. Moi, je n'en démords pas. Il a cru on lui a donné des éléments sur les lignes, mais en journaliste, il a commencé à farfouiller. Il a commencé à farfouiller et il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû savoir et des choses qui ne doivent pas être versées dehors. C'est pas une histoire d'argent. Les gars la détournent depuis combien de décennies? Et nous en parlons depuis combien de décennies? Combien de Camerounais sont morts parce qu'on parle des histoires de détournement d'argent? Ils savent que Bas Carbona, la job de Togo. Mais le sang là va les hanter. Vous avez vu, elle est instable. Chantal a dit c'est très instable. Pas ce qu'elle avait fait là par rapport à son frère. Elle va bientôt se déshabiller. Elle viendra aussi sur Facebook danser et se déshabiller en même temps. Vous vous souvenez pas de l'épisode avec son frère? Attendez. Wait and see, comme disait ma grand-mère. L'argent là va les purger. Oh, pop, 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 pop. Il y a des personnes qui ont été bénies, hein. Ou on l'a lavé, ou matinant on l'avait lavé, ou quoi, ou. Le sang de l'homme là va travailler. Tous ceux qui sont concernés là. Voilà, Laurent Esso qui ne sort jamais de communiquer, que comment il a dit partout qu'il n'a rien fait, non. À 80 ans. Quand tu vas perdre la boule, hein, peut-être que c'est seulement à quoi là-bas qu'on va aller te ramasser nu. On s'est parlé, mais j'ai
senti que c'était pas zéro, que Chantal, j'avais Aïssi compris, connaît beaucoup de c'était pas choses. zéro. J'ai senti qu'on l'a mené à faire un truc. Peut-être que lui-même, il ne mesurait pas le danger. Non, C'est mais ce là, je que suis moi. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On lui a donné des dossiers. Et je suis sûre que la personne qui lui a même donné les dossiers, elle-même ne savait pas que ces dossiers pouvaient conduire à l'endroit où nous sommes tous aujourd'hui. Parce que tous là sont en danger. Tous là aujourd'hui. Voilà donc que Laurent est sauf, il y a du chantage. Que si vous me lâchez, moi aussi, je verse pour vous dehors. Pourtant, nous savons très bien, hein, depuis toujours que Jeanne-Irène Biya a été tuée par les gens d'en haut en haut. Nous le savons. Nous savons donc vraiment, Laurent et So, il faut nous sortir autre chose. Sors-nous autre chose que nous ne connaissons pas. Ces gens-là, c'est le début de la fin du régime Biya. Que nous soyons conscients ou que nous ne soyons pas conscients. Tous ces gars-là se tiennent. Parce qu'avant d'être dans des camps opposés, ils étaient dans le même camp, celui de la mangeoire. C'est la prise de pouvoir, c'est la suite de Biya, l'après-Biya qui les a divisés. Mais au commencement, ils trempaient tous dans ça, dans les meurtres, dans les vols, dans les choses sexuelles, dans les vies dépravées, dans les... Eh, mon Dieu, le nombre de personnes que les gens l'ont pu tuer. Et les bas sacrifices, oh, et les bas ceci, oh, et les bas cela, oh. Vous êtes des dormeurs, mais vous allez vous réveiller de la pire des manières. La nature va vous réveiller. Oh! Pour le Cameroun, ah, la nature va très mal vous réveiller, les gars. Lisez les histoires des autres. Lisez les histoires des autres. Lisez les histoires d'autres nations. Lisez même les histoires des grands empires africains. Comment est-ce que ces empires sont tombés? Comment est-ce que les grands empires sont tombés? Comment est-ce que l'empire de Tchaka Zulu Ah, pour le Cameroun, là. Ah, la série que nous allons sortir de là, même les feux de l'amour, là, ne sont pas longs. Écoutez bien cette femme. Elle est dérangée. Elle a besoin de parler, mais elle ne peut pas, ça ne sort pas. Elle a besoin de parler où elle est assise, là. Elle va devenir folle à force de contenir ça. Je vous redis, elle est fragile. Quand ça part là, quand sa tête va encore jeter l'air, elle-même viendra même encore verser ça ici sur la toile. Mais à force de vouloir se contenir là, ça ne lui réussit pas. La crise par rapport à son frère là, c'est petit. Je ne dors pas. Tu as, mon frère, mais vous aussi là, et ma soeur. Merci. Merci. Maman, tu as vu le ciel ici? Ça ressemble à un ciel d'un pays où on va bientôt dormir. J'ai vu le soleil là, regarde le soleil là, mes lunettes là, mais il n'y a rien à voir. Dormi où? Parce Je que suis en tu tombes dans Californie, votre. je dors quoi? Est-ce que dans votre. C'est sûr, à un E-1-9. moment donné, il t'a dit qu'il avait peur de sa vie? Non. Non. Je suis en Californie Je ne et vois ça. je suis habillée en Bertini, Non, en regardez. faisant ça, il rigolait même, il me dit ça que Chantal, tout ça, machin, comme d'habitude. Je crois qu'il n'avait pas mesuré l'impact. Il savait pas. C'est comme un enfant qui joue avec une bombe. C'était ça. Donc, il savait pas. Je vais Quand il revenir parlait comme ça, demain là. je crois qu'il ne savait Demain, pas il va ce qui allait décrypter se le direct passer. ici. Il savait pas. Mais Chantal, est-ce que tu sais que avec Vous cette entendez? situation où tu es Que Zogo entre ces deux lui-même personnes, ne savait pas. tu sais que si tu étais au Cameroun, tu serais en train d'être auditionné par la police. Mais Tu elle va vois? être écoutée même ici en Belgique. Rapport à ton Le amitié avec les CERD, deux. pas le CERD. Ben oui, mais Interpol va c'est pour ça que l'écouter. je dis, tu peux être ami avec les gens, c'est comme tu es un parent. Ce que tu fais dehors, tes enfants ne sont pas au courant. Ta femme et tes enfants Hey, français, tu n'es puisque nous sommes des Junior, amis. Moi, j'étais pas au Junior courant de tout ce que mon ami avait Dindé, pu faire et tout. qui derrière les Ça nous problèmes, a dis donc? surpris, nous tous. Ce qu'on me reproche aujourd'hui, que machin, j'étais au courant de rien. Hein? J'ai jamais discuté de ça, ni de près avec Zomlo, ni de près Mais comment tu as fait pour avec savoir que c'était grave? Zogo. Donc, Mais je tu as n'étais parlé de ça, prise tu as quand même pas de parlé. Elle s'est rendue Tu as compte quand même qu'elle maîtrisé aurait quand dû même la tout ça fermer. avec Onana qui t'a mis au courant, tu as parlé de ça avec lui. Oui, on en a juste dit qu'il y a un problème.
Mais quel problème, bon sang? Je parle avec Martinez. Donc, c'est tout à fait normal qu'il me dise. C'est lui qui m'a dit qu'il y a un problème et il fallait lui parler. Et je l'ai parlé. Qui est Mercy? Mercy? Hollywood. Ok, monsieur, il a filmé là-bas. Est-ce que c'est la première fois que je viens en Californie? Ça concernait quoi? L'été dernier, j'étais ici. Pour qu'on lui parle par rapport à qui pense à ses. Et l'automne d'avant aussi. Par rapport à sa situation. La Californie, c'est ma deuxième maison maintenant. Bonjour, grand madame. La Californie, c'est ma deuxième maison. Pourquoi il s'est retrouvé dans des situations comme ça? Comment, quelle situation? En tant que frère, parce que quand moi j'ai eu des problèmes, il a toujours été là. Donc, c'était normal. Oui. Que si, je crois que j'étais pas la seule à parler, il y a dû y avoir plusieurs personnes. Donc, on devait essayer de comprendre ce qui se passe. Mais tu veux nous dire ici ce soir que malgré l'interpellation de Onana, l'interpellation de Serge Tamba. Zane, Serge Tamba. On parle de problème d'État. Tu n'as pas compris. En fait, tu n'as pas. Ma peur est même sèche. Il ne vous a jamais rien dit. Non, il était. Je crois que, comme il avait l'habitude de dénoncer, il avait les dossiers, je crois qu'il n'a pas. Il croyait que c'était pareil. C'est ce que nous tous on voit. Moi, il ne m'avait pas dit que sa vie était menacée, non? Ah, même après que Jean dit ça, il m'avait juste dit. J'ai point, l'ai dit en direct. Il n'était pas content, il s'est retrouvé comme ça. C'est tout. C'est ce qu'il m'avait dit. Le reste, ça me regarde. Vous avez compris quelque chose à ce que Chantal a ici dit? Et quelques jours après, déjà quand il disparaît et que vous n'avez pas son contact, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles sa femme, tu appelles ses amis, tu fais quoi? Non, moi, tu sais, il y a des gens, quand il te permet dans sa vie, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Il faut que les gens apprennent à respecter la vie des autres. Déjà, il était très distrait. Depuis qu'il fait ce travail, il a toujours été distrait. Si les gens se lèvent aujourd'hui et disent qu'il connaissait certaines choses, ce n'est que quand il exposait le problème qu'on pouvait être au courant. Donc, il y a des choses que, même pour aborder, il ne voulait pas. Il voulait pas entrer dans les. On doit gifler la femme, c'est pour qu'elle parle juste. Si, par exemple, quand il avait eu des problèmes, peut-être qu'il est au commissariat, on nous appelle. Si on peut faire les démarches, on faisait les démarches pour sa sortie. Voilà. Mais le reste, si quelqu'un ne te permet pas, toi, tu vas faire comment? Il faut respecter les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ils n'aimaient pas. Il était le seul. En même temps, elle dit qu'elle a pas. Moi, j'ai forcé. J'ai essayé de forcer. C'est pour ça que je demande. Il ne va pas continuer pour ça. On a resté en train de parler famille. Moi, je ne faisais que lui demander de faire attention à lui et de penser aussi à sa famille. Pour moi, que si on l'arrête, ça va encore nous compliquer la vie, il faut qu'on appelle les gens et tout, il devait faire attention à lui et que l'allure qu'il a pris, moi je ne voulais pas vraiment qu'ils en arrivent là. Que de je viendrai à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver comme solution? Peut-être que c'est moi qui vais gagner le prochain jackpot. De s'arranger entre eux. Pour ça, je te demande donc, après. Comment ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vois bien que je suis assise dans un jardin et bronze. Ça soit les questions, son ami et l'ami des deux, puisque ça n'allait pas avec le zombie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé quelqu'un, tu ne l'as pas cherché ou alors tu es resté aussi, tu t'es dit tu attends. Non, on m'a rien demandé. On m'a demandé si j'étais vacciné. J'ai dit que oui, mais on n'a pas demandé la preuve. Hein. J'ai juste rempli le papier comme quoi je suis vacciné. Et c'est le. Quelqu'un peut disparaître, surtout c'est la compagnie aérienne aux frontières. Non, depuis que je viens aux États-Unis, on m'a jamais demandé les vaccins aux frontières. Les artistes le font, certaines personnes le font. Elle va finir folle en vrai. Soit qu'il est dans un commissariat où on va nous dire. Mais, Maître Timban, c'est toi que je vois souvent perdu là-bas chez les patriciotes. Tu essaies de mettre du bon sens dans une pâte d'arachide. Hein, Maître Timban? Tu essaies d'intégrer le bon sens dans une pâte d'arachide. Tu as vu ça où? Non, mais cette femme, si elle sait quelque chose, à Maître Timbano. Après moi, je ne sais pas ce que les Camerounais veulent exactement. Soit nous voulons la vérité sur la mort de Martinez, soit nous voulons nous entre-embrouiller.
Cette femme s'y connaît. Je connais cette façon de parler. Ça, c'est la façon dont les Camerounais qui ne veulent pas dire les choses ont de parler. Oui, on ne dit pas ces choses. Je ne peux pas parler de ces choses-là. Oh, vraiment, c'était grave. Hein? Oh, elle mâche la bouche. Ce qu'elle est en train de faire là, ça s'appelle mâcher la bouche, taper la bouche. Elle sait quelque chose. Et c'est en train de la ronger. Elle a besoin de le dire. Mais en même temps, Facebook n'est pas un endroit où elle devrait d'abord le dire à la police, quitte à ce que ça devienne public après. Mais cette femme a besoin d'être entendue dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Et dis-moi ça comme ça, je ne dis rien. Elle a besoin de parler. Elle sait des choses, même si elle ne sait pas tout. Elle a quelque chose sur la conscience qui est en train de la ronger. Maître Timbal. Parce que elle ne veut pas le dire, mais il faut que ça sorte. Et elle se contredit, mais elle revient toujours sur la chose. Oui, que Martinez n'avait pas mesuré l'ampleur de ce dans quoi il trempait. Et quand il s'est retrouvé, quand il a su, non, du moins, quand les dossiers des lignes là l'ont conduit là où il s'est retrouvé, il était trop tard. Hein? Comme toute chose que tu ne devrais pas savoir, une fois que tu es au courant, tu réalises que c'est cuit. Ah ben, c'est trop tard. Et elle le sait, je suis sûr que Martinez lui a dit. Est-ce que Martinez se taisait? Martinez ne se taisait pas. Et Martinez, apparemment, avait beaucoup de respect pour elle. Donc, elle sait, même si elle ne sait pas tout. Martinez lui a donné les grandes lignes. Elle a besoin de le dire. Ce n'est pas pour rien qu'elle a décidé de faire un direct. Son comportement n'est pas normal. Voici la pétition. Il faut signer la pétition, là. Maître Timban, voilà donc le garant, ton garde des Sceaux, qui est accusé d'être assassin en série. On va arriver. Elle a besoin de parler. Ça, c'est un appel au secours. Hein. C'est elle. Chantal a ici. Elle est le genre de personne qui n'arrive pas à contenir les émotions. Elle va péter une jurée. Elle viendra se déshabiller ici. Hein. Ah, moi, il y a vu Chantou. Il y a vu ma Chantal, les dégommages terribles ici. Les gens rigolent souvent, les gens l'encouragent, mais cette femme-ci, elle est sensible. Comme tout artiste, elle est sensible. Elle a vécu un certain nombre de choses dans sa vie qui font que, elle peut très bien, elle peut très vite se verser au sol. Du genre, finir dans une maison psychiatrique et tout avec la camisole de force, et la camisole chimique. Donc, pardon, aidez machin, hein. Pas les histoires à la camerounaise là, où on va plutôt se moquer de quelqu'un. C'est un appel au secours, ça. Parce que si elle perd pied là, c'est pas dit qu'elle puisse sortir à nouveau. L'histoire là, l'affaire Martinez Zogo est en train de retourner plus d'un Camerounais. Ben, je sais pas pour vous. Moi, cette affaire là, rien que ça me donne la chair de poule à chaque fois que j'aborde le sujet. L'affaire Martinez Zogo, surtout nous qui avons vu le corps, la vidéo du corps et tout. L'affaire Martinez Zogo, ça va marquer à jamais. À jamais. Parmi, hormis les histoires qui se passent dans nos eaux, hein. Mais dans un coin censé être un coin hors de la guerre, on ne voit pas souvent ce genre de drame. C'est quelque, ça dit le sang de Martinez, il va secouer longtemps les concernés. Elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin d'être entendue, cette femme. Il y a beaucoup, c'est-à-dire, elle se bat. Il faut que ça sorte. Mais en même temps, l'éducation aussi y est pour beaucoup. L'éducation y est pour beaucoup. Donc, que d'elle-même, elle a déposé son témoignage. Elle peut demander à être entendue. Hein. Même, elle va déposer son témoignage, même au commissariat de chez elle, là. Ça va suivre le cours. Elle dit que, elle explique, on va l'écouter. Et après, elle va se faire une santé quelque part, elle va se reposer quelque part, ou j'en sais rien. Si elle veut, elle se fait hospitaliser. Parce que là, cette femme-ci. Mais comme les Camerounais n'aiment pas régler leurs problèmes. Je suis en vacances, oh, même jusque-là. Moi, tant que le garde des Sceaux n'est pas en prison, moi, je ne suis pas en vacances. Son témoignage est profond. Donc, je vais revenir demain. Nous sommes dimanche là aujourd'hui. Nous étions à l'église, nous étions au culte et tout, donc du coup, j'ai pas eu le temps de préparer le direct. Je reviendrai demain avec tous ces noms, parce qu'elle se contredit énormément. Elle se contredit la seconde d'après, elle revient, elle a besoin de parler, cette femme-ci. Eh oui.
Et ça fait très mal au cœur de ce. Allez, la famille, moi je vous laisse. Hein. Il y a certes du soleil ici, mais je peux pas rester dehors longtemps. J'ai des heures de sommeil à rattraper. Si je ne veux pas passer une nouvelle nuit blanche, il faut que je fasse ma sieste. Tenons bon, la famille, et ne lâchons pas. Ne lâchons. C'est-à-dire, l'affaire Martinez au Zogo. Hey, Seigneur. C'est nous qui pensons que c'est une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Non, Martinez a découvert autre chose. Ou on lui a même donné autre chose après l'affaire des lignes, là. On lui a donné autre chose et il avait la preuve. Ce n'était pas les ondes, les machins. On lui a donné un dossier avec les preuves. Et le gars s'est rendu compte que c'était le point de non-retour. Martinez ne meurt pas pour une histoire de ligne de crédit. Il n'avait pas encore commencé à parler de ce pourquoi on l'a tué. Ce à cause de quoi on l'a tué. Ce pourquoi on l'a tué. Eh oui, les gens là ne sont pas. Parce que si ce n'était qu'une histoire de ligne, hein, je ne pense pas que Laurent Esso se serait même retrouvé impliqué dedans. Je ne pense pas. Si Laurent Esso s'est retrouvé dedans, c'est que ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent n'est qu'un acteur et pas l'acteur majeur. Là, c'est vraiment une histoire qui concerne l'état du 237. Eh oui, l'avenir de tout un pays. Ce n'est pas une histoire d'argent. On détourne l'argent dans ce pays depuis longtemps. Les gars s'en foutent parce qu'ils savent que celui qui est assis là-haut, lui-même doit entrer au Ngatapoudé. Il est épervier et il doit être épervier. Eh oui. Donc c'est à vous de voir. Notre pays est fini. Si nous ne versons pas au sol, nous, la population, c'est-à-dire que si nous ne sortons pas pour remettre le compteur à zéro, vous allez voir la guerre des éléphants. Eh, oh. Moi, je suis moi assis en France, hein. Et comme vous disiez tout à l'heure, la France a commencé à nous mettre les yeux. Ça veut dire que là où nous sommes là, nous sommes dans le bon, c'est-à-dire sur le bon chemin. Le dossier là est bien traité. Parce que si comme une comme moi, elle traverse les frontières, mon nom commence à biper là. Mais comme nous n'avons rien à cacher, moi j'ai rien à cacher. Je parle ici, hoha. Même s'il déclenche, même si à chaque fois que je traverse, il doit me perdre 5 minutes, moi je vais sauf que parler. Hein? Sauf que mon nom n'avait jamais bipé. Jamais ne ment. Mon nom a commencé à biper. Et pas à l'entrée aux Amériques, à la sortie du pays. Allez, la famille, portons-nous bien. Hein. Moi, je suis là. On tient là-bas. Si nous lâchons, notre pays est fini. Là, il est hier au sol. Hein. Mais si nous lâchons, le bain de sang que nous allons avoir dans ce pays-là. Martinez Zogo, sa mort n'est pas atroce, à chouette. On va vous couper les têtes dans ce pays-là, vous allez Wanda. On va vous couper les têtes dans ce pays-là, vous allez Wanda. En vrai. Et il sera trop tard. Quand les gars vont prendre la vitesse de croisière. Mais des fois, nous nous disons, nous sommes un certain nombre à nous dire que peut-être que les Camerounais ont besoin de ça pour pouvoir mesurer le prix de la liberté. Peut-être qu'ils ont besoin de ça. Parce que pour l'instant, là, nous ne nous sommes pas battus pour notre liberté. Ceux qui sont battus n'ont pas pu transmettre la chose. Non, les Camerounais, ils ont vraiment besoin de sentir ça dans leur côte. Nous allons continuer à maintenir la flamme. Hein. Nous allons continuer à attiser la flamme, à attiser le feu pour que la flamme ne s'éteigne pas. Mais c'est aux Camerounais intramuraux, aux Camerounais du 237. De se prendre à main. Nous ne pouvons pas vous sauver depuis l'extérieur, c'est impossible. C'est impossible. Regardez, la vie est devenue chère ici. En France, il y a un dossier brûlant sur les retraites, mais nous continuons à vivre notre vie. Hein. Ça continue à être acceptable. Moi, voici en vacances, non. Il y a quoi? Pourtant, la vie est chère. Il ne faut pas croire. Mais nous, ici, en Occident, nous avons quand même des compensations. Même aux États-Unis, si on ne le dit pas, mais ils ont des compensations. Le prix du gaz a augmenté, mais ils ont de petites réductions à gauche, à droite. Ah, coucou, ma Sylviane. Mais nous, en Afrique, qu'avons-nous? Hein? Qu'avons-nous en Afrique? Notre terre n'arrive même plus à nous nourrir.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a la guerre sous d'autres cieux et on vous fait comprendre que vous qui avez une terre, une des terres les plus fertiles de ce bas monde, vous mourrez. Non, mais soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux. Je suis entrée dans Air Tahiti. J'ai regardé comme ça. Une compagnie française, mais quand vous entrez dedans, ce sont les Tahitiens. Le chef de bord est Tahitien. Les hôtesses sont Tahitiens. Hein? Et vous, quand vous arrivez dedans, vous sentez cette chaleur. Hein? Vous avez vraiment l'impression d'être sur cette île-là. C'est ça, vendre son pays. C'est ça, être fier de son pays. Ce sont les autres qui vendent votre pays. C'est pas votre histoire de, oh, le continent, oh, les suicides, oh, le... Non, ce sont les autres qui reconnaissent que vous avez une certaine grandeur. Hein? Tahiti, hein? Une île, hein? Tahiti. Et l'avion était plein. Plein, plein, plein. Et c'est là où tu vois le mélange. Quand je vous vois, vous n'arrivez pas à vivre ensemble parce que vous ne parlez pas la même langue. Vous ne parlez pas. Le métissage que j'ai vu dans l'avion là, tu vois la mère, elle est noire. Tu vois la fille, elle est. On ne sait même pas le mélange de quoi c'est. Hein? Et tu vois l'amour entre ces personnes là. Tu vois la solidarité. Rien que dans l'avion déjà. Tu vois la solidarité. Pourtant, nous avons pris un certain nombre de compagnies dans ce bas monde. Vous êtes assis là. Vous passez votre temps à vous crêper le chignon. Vous passez votre temps à avoir des disputes sur le coq. Qui a créé le... Qui a volé le coquille de qui? Qui a volé le coquille de qui? Seigneur, le haricot vient. Ce sont les Occidentaux qui ont même implanté le haricot chez vous. Les pois chiches. Vous n'êtes pas les plus gros bouffeurs de pois chiches de ce bas monde. Vous savez le nombre de kilos de pois chiches, de tonnes de pois chiches qu'on mange dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient? Vous pensez que vous êtes les plus grands bouffeurs de pois chiches? Vous êtes même sûr que vous êtes les seuls à manger le coquille? Ou l'équivalent du coquille, le gâteau? C'est un gâteau, hein? C'est un gâteau. Bon sang de bonsoir. Il va encore... Obama va encore rentrer. Pardon, la famille, laissez-moi la maman. Elle fait la sieste. Elle m'a joué avec mes neveux. Tata Taline. Je suis la star du coin. Moi, qui va se négliger, dis donc. Hein? Je suis venu chercher l'amour ici. Moi, mes filles, la même, j'ai plus. 5 ans fois 2, des tonnes d'amour. Hmm? Des tonnes. Et les Américains ne savent pas faire le bisou à la française. Ici, on fait les accolades. On se tape les. Hein? Se tape la poitrine. On fait les accolades ici. Allez, la famille, de tout cœur avec vous. Hein. Je suis loin. Je suis certes loin des yeux, mais pas loin du cœur. Hein. Ah, du tout. Moi, je ne perds pas le nord. Hein. Les gars, soit. Laurent Esso a le même traitement que ceux qui sont au CED. Soit vous les relâchez, soit vous... Non, sérieux. On veut pas, nous ne voulons pas seulement du sang, le mauvais sang. Non, nous voulons le sang de la bonne personne, des responsables. Si vous n'arrêtez pas Laurent Esso, vous... Moi, je lutte ici pour que Amour Bellinga soit relâché. Hein. En vrai, hein, nous voulons la justice. Nous ne voulons pas une parodie de justice. Non. Non, 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 non. Et... Hein, ils sont dépositaires d'une cuillère. Pas le bol. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils n'ont qu'à être dépositaires aussi du comment on appelle ça? Ah, oh là là, l'autre qui glisse aussi là. Le terrain. C'est le terrain. Hein? Et le gombo aussi. Des foutaises. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi la mangue sauvage qui glisse là? Hmm? La mangue sauvage, quand elle n'est pas grillée là, ça glisse. Hein? À mort. C'est le surf seulement dans l'assiette. Hum? Et d'où Jésus, les camés. La luciole, elle me gère encore. Ah, que je suis amoureuse de qui? La luciole dit que je suis amoureuse de qui? D'elle? Pardon. Même le fantasme là, il ne dure pas chez moi. Une femme avec une femme. Dites à la luciole que moi, elle vit ma vie. Je suis en Californie. Hmm? Il faut dire à ma luciole que moi, j'ai appris le bon vivre chez les Blancs, hein, et pas en vacances, dis donc. Hmm? Et je vois du monde. Mon passeport français me sert à quelque chose. Ce n'est pas seulement un droit, j'en profite. Hmm? $27, je suis aux États-Unis. Valable 2 ans. Regardez le beau ciel de Californie.
Bon, c'est en train de le soleil en train de se barrer là. Dans le jardin en plein hiver, dis donc. Oh là là, regardez comment le jardin est beau. Je fais des envieux. Pardon la famille, on se tamponne demain. Nous allons bien écouter Machan. Très très bien, posément. Les noms dit là. Machan a besoin de parler. S'il faut lui payer un billet pour qu'elle aille témoigner au 237, qu'elle aille. Maman, est-ce qu'on voit les étoiles ici? Moi, j'ai la tête ici, là, à la mer. Moi, je suis alors une mauvaise, comment on appelle, une mauvaise faiseuse directe. Maman, ici les étoiles, surtout quand je suis là dans mes aigus, là. Merci pour les étoiles, mais elle n'est pas vue, ma. Le volume est parti. Eh, Dieu, Azambe. Maman, je n'ai pas vu les étoiles. Et comme je vous dis, peut-être parce qu'elle ne mange pas l'argent de la page. Regarde alors, je vous mets du. Je vous mets du quoi là? Du sel dans l'eau. Ou du sucre dans l'eau. Hein? Avec le pain. Le pain dur là, le pain sec, regardez. Elle n'est pas belle la vie. Regardez comment c'est beau. Ah, le beau ciel de Californie. Le beau ciel de Californie. Je voyais ça dans les cartes postales avant, regardez. Oh ouais, elle n'est pas belle. Je vais faire le trampoline tout à l'heure, un peu de sport. Allez la famille. J'ai la chance, hein, beaucoup de chance d'être dans ce cadre-ci. Donc, comme disaient les Américains, merci pour le don. Je dis merci pour le don. Voilà. Allez, on se tamponne demain. Mais demain, je vais faire l'effort de faire le direct à... Hi, Ama! Tu manges encore à cette heure-ci? Hé, tu manges quoi? Il me fait des grimaces à travers la porte. Allez, signez la pétition. À demain. Demain, je vais faire le direct à 17h. Entre 17 et 18h. Ciao, ciao.